Hebdomadairement, on va aider toutes les femmes
à pouvoir se challenger pour être une meilleure version d'elle-même. Donc aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le thème Dieu n'aime pas les insensés, mais qui sont les insensés? Ok? Donnez-moi un instant. Voilà. Donc, bienvenue encore une fois de plus. J'espère que vous allez bien et que tout le monde, tout le... Bon, en fait, tout va bien chez vous. Je ne sais pas trop qui me suit actuellement, mais n'hésitez pas à me faire des coucou, que l'Éternel vous garde, vous bénisse où que vous soyez. Donc, je suis Madame Chani Sorel Koya. Je suis la responsable adjointe de la branche spiritualité. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir. En fait, j'ai fait une série d'enseignements dernièrement. Et il me fallait en fait venir faire cet enseignement selon lequel qui sont les insensés, parce que j'ai eu à enseigner et à affirmer que Dieu n'aimait pas tout le monde. Donc du coup, il fallait que je puisse apprendre aux autres qui sont les insensés. Pourquoi? Parce que j'ai affirmé. Bonjour Furjac, j'espère que tu vas bien. Merci de taguer vraiment tes amis, ta famille, tout ce que tu peux taguer pour pouvoir les permettre de suivre cet enseignement. Et merci de partager aussi dans les groupes que où tu peux partager. Donc, j'ai fait plusieurs enseignements et j'ai affirmé que Dieu n'aimait pas tout le monde. C'est écrit dans Ecclésiaste 5:4, si je me rappelle bien, que Dieu n'aimait pas les insensés. C'est écrit également dans, je pense, ça va être dans Genèse, dans le livre où on parle de l'histoire de Jacob et Ésaü, où c'est bien marqué que Dieu a haï Ésaü. Et dans Psaume, ça doit être 59 comme ça, il y a aussi un passage qui dit que Dieu n'aimait pas les méchants. Donc du coup, pendant mes enseignements précédents, les gens ont demandé à savoir, mais les insensés, c'est qui au fait? Et donc aujourd'hui, je vais vous enseigner sur cela pour que vous puissiez être situé. Parce que parfois, on se dit être enfant de Dieu et on ignore qu'on est insensé. Et parfois, on est insensé, mais parfois, on est sage, mais on pense être insensé. Donc, j'ai trouvé vraiment important de venir encore ici pour pouvoir parler de cela. Et donc, aujourd'hui, c'est, je peux dire, une étude parce qu'on va parcourir la Bible comme d'habitude. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, il faudrait que vous ayez un calepin où vous allez noter les passages bibliques que je vais citer pour pouvoir vous permettre de méditer chez vous pour vous rendre compte. Pour en fait trier le bon et le mauvais, comme je le dis souvent, chaque fois que vous écoutez un enseignement, prenez la peine de comment est-ce qu'on appelle, de vérifier vous-même pour ne pas être genre des bénis oui, oh là là, il y a une coupure d'électricité chez moi, j'espère vraiment que ça ira, que tout ne va pas me lâcher avant que le courant revienne. Donc, je vais commencer le live en faisant ma prière. Père éternel, je trois fois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour tous tes bienfaits, de nous avoir gardés, protégés, assistés. Ô Jésus-Christ, roi des rois, je remets en tes mains ce moment, Seigneur, dans ta présence. Ô Père, merci de déléguer ton Esprit Saint afin qu'il puisse me guider, afin qu'il puisse m'inspirer. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, de permettre à ce que tout soit réuni pour que ce live ait effectivement lieu jusqu'à la fin. Merci au Père éternel pour tout ce que tu fais pour nous. Sois loué, sois adoré aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc là, je vais commencer l'enseignement, mais j'espère vraiment que l'électricité va revenir avant. Ouh là là, excusez-moi un instant, je vais activer ma 4G au cas où mon wifi coupe. Et où la 4G? Un instant, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Donc, je vais commencer rapidement avec les moyens de bord. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous parler de l'insensé. Qui est l'insensé? Parce que beaucoup de gens ignorent qui est l'insensé. Donc, chacun de nous va prendre sa Bible et on va commencer par le psaume 92 au verset 6, du verset 6 à 7. Dans le psaume 92 dit que l'insensé, ok, je vais ouvrir carrément le psaume 92.
Que tes œuvres sont grandioses, éternelles, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Donc, à travers ce psaume 92, 7, on peut comprendre que l'insensé, c'est celui qui ne prend pas garde aux œuvres et aux pensées de l'Éternel. Quand je parle de œuvres et pensées de l'Éternel, c'est vraiment tout ce qui permet, en fait, tout ce que Dieu aime, en fait, simplement, hein, tout ce que Dieu aime qu'on puisse faire et tout ce que Dieu aime qu'on souhaite, qu'on doit faire, en fait, hein, si je peux le dire comme ça. Donc, l'insensé, en fait, ils s'en foutent de tout ce qui touche Dieu. Ils s'en foutent de tout ce qui touche l'œuvre de Dieu. Ils s'en foutent de tout ce qui a trait à la pensée de Dieu. Quand on parle de sanctification, quand on parle de toutes ces choses, et ben l'insensé, au fait, lui, ce n'est pas son problème. Ce n'est vraiment pas son problème. Donc ça, c'est Psaume 92, 7, qui nous dit qui est l'insensé. Nous allons prendre Proverbe 14, 17, qui dit... éloigne-toi de l'insensé car il n'a aucun savoir à te communiquer. Donc l'insensé, un insensé, c'est toute personne avec laquelle vous vous associez et qui ne sait, qui ne vous apporte rien de bon, rien de positif. En fait, quelqu'un qui ne vous apprend rien. Vous allez voir qu'il y a des gens comme ça avec qui vous asseyez et ils ont des discours vains. En fait, ils ne parlent que des un tel a dit, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Ils n'apportent rien de bon. Rien de bon à quelqu'un d'autre. Et Proverbe 14, 7 nous dit « Éloigne-toi de l'insensé car il n'a aucun savoir à te communiquer. » C'est quelqu'un qui manque de savoir, ok? Donc, si vous êtes quelqu'un qui manquait de savoir, que ce soit le savoir vivre, que ce soit le savoir être ou quoi que ce soit, vous êtes un insensé aux yeux de Dieu. Donc, Proverbe 12 au verset 16 nous dit « L'insensé manifeste immédiatement son irritation. » Mais l'homme avisé sait ravaler un affront. Donc, on peut comprendre simplement que l'insensé, c'est quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui, comment on appelle? Il réagit au quart de tour, en fait. Il réagit au quart de tour, il ne prend pas le temps de se poser, il ne prend pas le temps de réfléchir directement, comme le dit Proverbe 12, 16, l'insensé manifeste immédiatement son irritation. Dès qu'il est fâché, il pète un câble. Ok? Donc, si vous êtes ce genre de personne, eh bien, il faudrait comprendre que vous faites partie des insensés. Ok? Et il faudrait bien évidemment travailler à sortir au fait de ce lot-là. Proverbe 12, à partir du verset 23, la parole de Dieu nous dit « L'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haut sa sottise. » Donc, ça veut simplement nous faire comprendre que l'insensé ne sait rien, ok? Mais c'est lui qui parle beaucoup. Il parle beaucoup, il proclame haut sa sottise. Il ne sait rien, mais c'est toujours lui qui est là à donner son avis sur toute chose, à parler de tout et de rien. Ok? Donc, si vous faites partie de ce lot de personnes, eh bien, vous êtes dans la catégorie des insensés. Proverbe 20. Au verset 3, la parole de Dieu nous dit « Restez loin des querelles, fais honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. » Donc ça veut dire simplement que celui qui aime se mêler de toutes les querelles, comme on dit les papatos là, ce qui ne te concerne pas, tu mets ton oreille là-bas. Tu veux toujours tout savoir, tu veux toujours donner ton avis sur tout et toutes choses. Si tu es une personne comme ça, qui te jette dans toute querelle, tu es dans ta voiture, tu es en train de conduire, il y a X ou Y qui est en train de se chamailler là-bas, tu veux savoir de quoi il s'agit. Si tu es ce genre de personne, tu es dans le lot des insensés. Les querelles, il faudrait savoir, comme le dit Proverbe 23, rester loin des querelles. Ok? Donc, Proverbe 23, 9 nous dit... Ne parle pas à un insensé, il méprisera le bon sens de tes paroles. Ok. Donc, ça veut simplement dire que celui qui déforme les propos des autres et sous-entend autre chose de ce que tu as dit, c'est un insensé. Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu dis que le ciel est bleu, il va dire non, c'est bleu, donc tu sous-entends que.
Donc, ça veut dire que il change le bon sens. Tu dis quelque chose de positif, lui, derrière la phrase positive que tu dis, il voit toujours quelque chose de négatif. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui sont totalement négatifs. Ils n'ont pas des ondes positives. Et si vous êtes ce genre de personne, malheureusement, vous êtes dans le lot des insensés. Selon ce que la parole de Dieu nous dit. Ok? Proverbe 18, 6. La parole de Dieu nous dit, quand l'insensé parle, il provoque des querelles. Et ses discours lui attirent les coups. Donc, je pense que c'est assez clair. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Ok? Chaque fois qu'il parle, qu'il s'exprime, eh bien, c'est pour mettre les gens en affront. C'est pour qu'il y ait des chamailleries. Même là où il n'y a même pas de problème, il va toujours faire en sorte qu'il y ait un problème. Simplement par sa manière de s'exprimer. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il faudrait continuellement travailler sur soi pour être la meilleure version de soi-même. C'est très important. Ok, parce que la Bible nous dit clairement que celui qui provoque des querelles et ses discours lui attirent des coups, c'est un insensé. Ok? On va descendre rapidement. Merci de noter, hein, parce que je vais aller rapidement pour ne pas perdre de temps. Proverbe 12, 15. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. C'est clair. Quand tu es quelqu'un qui pense toujours que tu fais bien, tout ce que tu fais, c'est bien. Tu n'aimes pas les reproches, tu n'aimes pas prendre les avis des autres, tu penses que tu connais tout, voilà. Genre, tu es le centre du monde, il n'y a personne qui va t'apprendre quoi que ce soit, ou qui se... Tu te suffis, quoi. Dieu te classe dans le rang des insensés. Et il ne t'aime pas. Si tu es ce genre de personne qui pense toujours que tu as raison et qui n'aime pas les conseils, tu es aux yeux de Dieu un insensé. Bonjour, Wotledi, merci d'être là. Donc, il faudrait apprendre à te ranger du côté de ceux qui sont ouverts aux conseils. C'est très important. Parce que tu ne sais pas tout, tu ne connais pas tout. On apprend toujours continuellement. Ok? Et il n'y a que le Saint-Esprit qui permet que l'intelligence soit renouvelée. Et il se peut que tu traverses un moment de ta vie où tu n'es pas connecté au Saint-Esprit et que l'Éternel passe par quelqu'un d'autre pour te parler. Mais si tu es fermé, si tu n'écoutes jamais les conseils des gens, comment Dieu va venir vers toi? Ok? Donc sortons de ce lot de personnes-là qui pensent qu'ils ont toujours raison et qui n'aiment pas recevoir les conseils des autres. Proverbe 11, 12 nous dit « Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé. » Et l'homme intelligent accepte de se taire. Donc je pense que c'est clair, tu traites ton prochain avec mépris. Tu vois, quelqu'un qui, tu as une ménagère chez toi, tu la traites avec mépris. Parce que tu penses peut-être qu'elle ne va jamais réussir dans sa vie. Tu vois un gardien, tu le craches à la figure presque. Tu vois un enfant de la rue, tu le méprises en fait. Pour toi, il est là pour te déranger, toutes les choses comme ça. Ben, aux yeux de Dieu, malheureusement, tu es un insensé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit clairement, aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'arrives pas à aimer ton prochain comme toi-même, tu es un insensé. Si tu es de ceux qui méprisent les autres, tu es un insensé. Ok? On descend à Ecclésiaste 4, 5. Ecclésiaste 4, 5 dit « Celui qui se croise les bras est un insensé, il se détruit lui-même. » Donc, si tu es quelqu'un de paresseux, tu ne fais rien, tu ne cherches pas à prospérer, tu ne cherches pas à avancer. Bonsoir, Sylvia Fé, j'espère que tu vas bien. Merci de partager la vidéo, de taguer les gens pour entendre vraiment ce message-là. Parce que je pense que ça va venir et situer beaucoup de personnes. Donc, si tu es là, tu es paresseux, tu ne cherches rien. Tu es là toujours, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Tu attends toujours qu'on puisse te donner l'argent. Tu attends toujours le don de la main. Tu attends toujours que tout le monde fasse quelque chose pour toi. Tu es un insensé aux yeux de Dieu. Parce que Ecclésiaste 4, 5 le dit clairement, celui qui se croise les bras est un insensé. Donc, bouge-toi, lève-toi, prends ta vie en main. Si tu es un insensé de ce genre, Dieu ne t'aime pas, il n'aime pas ça. Malheureusement.
Ok, donc on va descendre à Ecclésiaste 10, 19. Non, Ecclésiaste 10, 12 qui dit « Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. » Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il a une manière de parler qui cause sa perte simplement. Il ne sait pas parler. Parce que même savoir parler, ça s'apprend. Malheureusement. Ouais. Savoir parler, ça s'apprend. Il faudra apprendre à parler aux gens avec respect, sans mépriser les gens, sans juger les gens, sans sous-entendre, comme les précédents versets ont dit. Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas à parler, cela va causer ta perte. Et tu es un insensé si tu agis comme cela. Donc si tu sais que tu as des défauts de parole, travaille sur toi. Parce que c'est un caractère ou encore un comportement insensé. Ok? Proverbe 15 au verset 20. Il y a plusieurs passages. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une étude. Je vous montre simplement, selon ce que la parole de Dieu dit, c'est quoi un insensé. Et s'il y a lieu d'expliquer, j'explique brèvement pour que vous puissiez comprendre. Donc, Proverbe 15 au verset 20 nous dit « Un fils sage fait la joie de son père, seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. » Donc, simplement, quand tu es quelqu'un, tu méprises ta mère parce que ta mère est devenue vieille, c'est devenue ta sorcière et toutes des choses comme ça, tu es un insensé. Proverbe 17, 24. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. L'homme avisé, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la sagesse. Donc, c'est en fait, qui s'intéresse à la sagesse. La sagesse, c'est la source de la sagesse, vous savez, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu es quelqu'un, un insensé, c'est celui qui s'intéresse au bout du monde. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est focalisé sur le monde, la joie du monde, la joie que le monde peut apporter, le matériel et tout ça, le matu vu. Ça, c'est le comment on appelle, la chasse gardée d'un insensé. Ok? Et Dieu dit que ceux qui ne s'intéressent pas à la sagesse et qui s'intéressent à tout ce qui se porte au bout du monde, ce sont des insensés. Donc, quand tu es là, on te parle, on te dit, papa, afin de boire de nuit, là, il faut arrêter. Afin de te fumer, de te droguer, de multiplier les conquêtes et tout ça, il faut arrêter. Tout ça là. Tes yeux, tu es toujours là, non, je vais porter Gucci, je vais porter Louis Vuitton, je vais porter ceci, je vais porter ceci, je vais me faire voir ceci, cela. Tu es là, c'est le matériel. Au lieu de te focaliser sur la connaissance, au lieu de te focaliser sur l'apprentissage, ce n'est pas ton problème. Toi, c'est ce que le monde te fait miroiter. Tu es un insensé. Ok? Proverbe 15 au verset 5. On descend au Proverbe 15 au verset 5. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Donc, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les conseils. Et même les conseils de ses parents ne lui disent à rien. On descend à Proverbe 10, 18. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses et celui qui répond des calomnies est insensé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un papato. Tu es là, tu n'as pas la preuve de ce que tu affirmes. Tu as entendu que, ah, on dit que Shani là, elle est par exemple lesbienne. Tu vas répéter, ah, un tel, Shani est lesbienne. Ah, un tel, Shani est lesbienne, un tel. Tu réponds des calomnies, tu es un insensé et Dieu ne t'aime pas. Ok? C'est clair et net comme l'eau de roche. Proverbe 21, 20. Je pense que c'est bien ça. Proverbe 21, 20 nous dit quoi? Pourquoi je ne vois pas ça là? L'insensé dilapide ce qu'il a. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas ça. Mais notez, hein, notez, parce que là je ne vois pas ça sur mon ordinateur. L'insensé c'est quelqu'un qui dilapide ce qu'il a. Dieu va le bénir, il va lui donner de l'argent, il va lui donner des entrées, toutes des choses comme ça. Et lui, au lieu d'investir, ou au lieu d'économiser, non, il dilapide. Il va aller prendre, je vais prendre un exemple, tu es un homme marié, Dieu te donne d'avoir des moyens, au lieu d'investir pour ta famille, d'investir pour tes enfants, de sécuriser l'avenir de tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Eh bien,
Tu vas nourrir toutes les prostituées je sais pas moi, de la ville. Tu te balades dans tous les maquis, dans tous les bars, dans toutes les boîtes. Tu es un insensé, en fait. Et Dieu ne t'aime pas. Tu veux passer sa vie avec moi. Ah, c'est pas de ma faute, en fait. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dilapide ce qu'il a. Proverbe 10, 23. Je sais pas pourquoi je ne vois pas ça. Éphésiens 2, 14. Proverbe 10, 23. Merci de le noter. Je n'ai pas la parole devant moi, mais je dis ce que j'ai retenu. Tout ce qui est là, ça parlait d'infamie. Tout ce qui est infâme, un mot comme ça là, ça amuse l'insensé. Donc, tuer, voler, violer, torturer, lui, ça l'amuse. Ça l'amuse, c'est son jeu, au fait. Vous savez, il y a des séjours comme ça, des tueurs en série, toutes ces choses. Donc, tant que tu es toujours dans cette situation où ça te fait plaisir de tuer, de voler, de violer, de faire ce genre de choses, de faire du mal à ton prochain de cette manière, aux yeux de Dieu, tu es un insensé. Est-ce que Proverbe 10, 23 dit? Proverbe 28, 26. Ça aussi, je n'ai pas ça devant mes yeux. L'insensé, c'est quelqu'un qui vit selon sa conception. Et non selon ce que la parole de Dieu dit. Ce qui se fait dans la tête, là, c'est ça. C'est tout. Donc, ce que Dieu a dit, non, non, ça, c'est pas son problème. C'est quelqu'un qui n'aime même pas les choses de Dieu. À la base, en fait, l'insensé, même, c'est quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu. Donc, Proverbe 28, 26, merci de noter, vous allez relire vos Bibles et vous allez comprendre. Ecclésiaste 2, 14 dit. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté que le même sort attend l'un. Donc, c'est quelqu'un qui n'a aucune boussole, aucune sagesse. Voilà. Il est là, il marche dans les ténèbres simplement. Parce que si tu marches dans les ténèbres, c'est que tu es dépourvu de lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la parole de Dieu. Pareil. Donc, tu marches dans les ténèbres, tu es un insensé aux yeux de Dieu. Proverbe 19, 13. Pour l'insensé, la sagesse est trop élevée. C'est pourquoi il n'ouvre pas la bouche dans l'assemblée et aux portes de la ville. Ça, c'est. Non, ça, c'est 24. Non, 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 non. 19-13. Un fils insensé fait le malheur de son père et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière en bon. C'est qu'un fils qui fait le malheur de son père. Vous allez voir, il y a des enfants qui. Papa a investi, papa fait ce qu'il a pu faire, ce qu'il peut faire. L'enfant prend la télé quand il veut, il va vendre. Il prend le gaz, il va vendre. Il dépouille la maison comme il n'y en a pas. Tu es un fils comme ça, mon frère, tu es un insensé. Et Dieu n'a pas d'amour pour toi tant que tu restes dans cette condition. Malheureusement. On va descendre à Proverbe 27, 22 qui nous dit, même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon, comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à le détacher de sa sottise. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que peu importe les conseils que tu vas lui donner, c'est peine perdue. C'est quelqu'un que tu as beau dire, tu as beau parler, tu as beau enseigner comment, ça rentre là, ça sort là. Tu as parlé à 10h, à 11h, il a fait la même chose. Tu as parlé à 11h, à 12h, il fait la même chose. En fait, ils sont fous complets, ils sont gavés de ce que tu as dit. Et malheureusement, tu es comme ça, tu es un insensé, mon frère. Et Dieu n'a que faire de toi. Ok? Ecclésiaste 7, 17. Ne sois pas non plus méchant outre mesure et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Simple comme bonjour, si tu es quelqu'un de méchant envers les autres, tu es un insensé. Parce que la méchanceté, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Rien de bon. Ok? Donc, si tu es quelqu'un de foncièrement méchant, parce qu'il y a des gens comme ça, qui n'aiment pas les gens, qui souhaitent toujours du mal des autres, qui sont toujours en train de méditer le mal des autres, à souhaiter à ce qu'un tel échoue, un tel n'a qu'à mourir, un tel ceci, un tel cela. Si tu es quelqu'un de méchant, mon frère, tu es un insensé aux yeux de Dieu. Simplement. Ok? Et donc, on poursuit notre lecture. Ésaïe 32, 6. Est-ce que j'ai ça devant moi? Voilà. Ésaïe 32, ici c'est 5. On ne traitera plus l'insensé comme un noble, on ne dira plus qu'il est trompeur. On ne dira plus du trompeur qu'il est quelqu'un de grand. Certainement que
Il y a une suite. Je vais ouvrir, excusez-moi. L'insensé, en effet, dit des insanités. Il est porté à commettre le mal, à agir sans respect pour Dieu, à tenir des propos blasphématoires pour l'Éternel. Il laisse la famille avec le ventre creux et prive de boisson celui qui meurt de soif. Je pense que c'est assez clair. Vous allez remarquer que la plupart des gens sur Internet, pour se faire remarquer, ils sont grossiers. Ils disent des insanités. Ils insultent les papas des gens. Ils insultent les mamans des gens. Ils parlent de sexe à longueur de journée. En fait, quand j'ai médité sur cet enseignement, je me suis rendu compte que nous sommes dans un monde plein d'insensés. Malheureusement, plein d'insensés. Et les gens aiment ça, en fait. Et c'est ce qui est malheureux. Vous allez voir des pages, par exemple, comme Femme Vertueuse, où on enseigne, où on donne des enseignements quotidiennement. Elles sont moins suivies que les pages de certains influenceurs qui ne parlent que de sexe à longueur de journée. Qui ne font que s'insulter, comme on dit, ils font le buzz, ils se clashent à gauche, à droite. Aux yeux de Dieu, ce genre de personnes, ce sont des insensés. Et tant qu'ils demeurent dans cette catégorie, dans cette nature, Dieu n'a pas les yeux là-bas. Dieu ne les aime pas, comme le dit Ecclésiastes 5:4. Il n'aime pas les insensés. Donc si tu es quelqu'un comme ça là, mon frère, essaie de te ranger, hein, de sortir de ce lot de personnes. Il est porté à commettre le mal. Tout ton travail, c'est seulement vouloir faire du mal à quelqu'un. Il agit sans respect pour Dieu. Et là, j'aimerais parler, la suite dit, à tenir des propos blasphématoires pour l'Éternel. Et là, j'aimerais profiter pour tirer la sonnette d'alarme, pour tirer les oreilles aux comédiens qui sont tout le temps, qui ont le culot de faire des comédies sur les choses de Dieu. Et qui blasphèment parce qu'ils veulent faire rire les gens pour pouvoir avoir de l'argent. Mon frère, il y a des choses avec lesquelles on blague. Il y a des choses avec lesquelles on blague. Parce que tu tiens des propos blasphématoires contre l'Éternel, tu es un insensé. Ok? Il laisse la famille avec le ventre creux et prive de boisson celui qui meurt de soif. Il n'est pas charitable. Simplement. Jérémie 17, 11. Notez les passages bibliques, vous allez vérifier tout ce que je suis en train de dire. 1 Samuel. Jérémie 17, 11, je n'ai pas ça sous mes yeux. Mais qu'est-ce que j'ai compris? C'est que celui qui amasse de l'argent injustement, donc c'est-à-dire escroc, braque, vol ou quoi que ce soit, c'est un insensé également. Donc Jérémie 17, 11 qui dit, je sais, là devant mes yeux, semblable à la perdrix qui a couvé des œufs, qu'elle n'a pas pondu, est l'homme qui amasse des richesses acquises injustement. Au milieu de sa vie, sa fortune le quitte. Et il montre finalement qu'il est un insensé. Simple comme bonjour. Ok? 1 Samuel 13, 13. La parole de Dieu nous dit, Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aura affermi ton nom. Ça, c'est pas important. Donc, celui qui n'obéit pas au commandement que l'Éternel, Dieu, lui a donné. Ça, c'est différent avec obéir à la parole de Dieu et obéir à ce que Dieu t'a dit. Parce que généralement, parce que comme je le dis, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Maintenant, c'est à chacun d'obéir ou de désobéir. Et si tu es quelqu'un qui n'entend pas Dieu, qui est tout le temps là, et il y en a beaucoup dans nos églises, toi, tu veux toujours entendre ce que le pasteur, le prophète, l'archevêque, je ne sais quoi, le prophète, je ne sais quoi, a dit. Mais toi, ce que Dieu va te dire, tu ne le fais pas. Alors, on a l'exemple de cela dans, je pense, dans le livre de Rois. Je ne me rappelle plus, il y a un exemple comme ça où il y a un prophète, Dieu lui avait mandaté d'aller parler dans une ville, d'aller décréter des choses dans cette ville et de sortir sans écouter qui que ce soit, sans dormir chez qui que ce soit. Ok? Et au lieu de se conformer à ce que Dieu lui a dit, il a fait une partie de la mission et il a croisé un autre prophète qui lui a dit, non mais je suis prophète comme toi, je suis d'ailleurs plus âgé que toi, viens souper dans ma maison. Pendant que Dieu lui avait dit à lui, tu ne soupes dans la maison de personne. Donc au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit,
il a préféré écouter l'autre prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé, il est mort. Donc, si tu es de ce genre de personne qui, tu aimes toujours écouter l'homme de Dieu, la femme de Dieu, la prophétesse, ceci, cela, tu n'aimes pas écouter ce que toi, Dieu t'a dit. Parce que comme je vous ai appris ici, Dieu, c'est la spiritualité, c'est l'expérience. La spiritualité, c'est l'expérience. Ce qui marche avec moi ne peut pas forcément marcher avec toi. Il faudra que tu apprennes à connaître le langage que Dieu emploie avec toi. Et ça, c'est très important dans la marche chrétienne. Très, très, très important. Ok? Donc, si tu es quelqu'un qui est là, tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Tu es un insensé à ses yeux. On va descendre à Proverbe 14:1. J'espère que j'aurai ça sur mes yeux. Au chef de cœur de David, les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, leurs actions sont dégradantes et aucun ne fait le bien. Donc, tous ceux qui sont athées, qui pensent que Dieu n'existe pas, que tout vient du hasard, mon frère, tu es un insensé. Pour toi-même, c'est le last. Ok? Psaume 107, verset 17. La parole de Dieu nous dit, des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Est-ce qu'il n'y a pas une précédente? Ah, les insensés, ce sont des gens qui vivent dans le péché et qui s'y plaisent. Donc, tant que tu es là toujours, tu sais ce que tu fais. Bon, en fait, ce que tu fais, c'est le péché. Chacun de nous ici, même ceux qui ne vont pas à l'église, ils savent au moins ce que Dieu n'aime pas. Mais il y a des gens qui se plaisent à vivre une vie de péché. Donc, si tu es quelqu'un, tu vis constamment dans le péché et tu t'y plais, mon frère, tant que tu y seras, tu es un insensé. Simplement. Proverbe 1:7 nous dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. » C'est comme je l'ai dit plus tôt. On a des pages éducatives sur Internet. Il n'y a pas que des pages de comédie, il n'y a pas que des pages de Congossa. Il y a aussi des pages d'éducation. Mais tous les insensés, ils vont se trouver partout où il y a des conneries, à part... et pas dans les endroits où il y a la sagesse, où il y a l'éducation. Il n'aime pas ça, ça l'ennuie, en fait. Quand tu vas venir dire, quoi, ceux-là, ils parlent trop de Dieu, là, mon cher, la vie, ils pensent que c'est Dieu, là, même, ça fait 2000 ans, et on dit, il va revenir, il ne revient pas. C'est quelle affaire de Dieu, là? Laisse-moi, on va aller rire. On va aller écouter, Marcosso a fait ceci, Lolo Bouté a fait cela, Intel a fait ceci. Donc, toute leur journée, sont sur ce genre de live. Tu es de cette catégorie de personnes, papa, tu es un insensé, tu n'as rien à faire de ta vie, en fait. Tu n'as rien à faire de ta vie. Cher, bref. Proverbe 1:22. Jusqu'à quand, stupide, vous complairez-vous à des sottises? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Et comme je dis tout à l'heure, ce sont des gens qui n'aiment pas la connaissance. Ça les ennuie. La preuve, nos lives là. Il y a combien de personnes dessus? Les lives où on parle de Dieu, où on parle... de développement, bon, développement personnel encore, où on parle de Dieu, où on parle de sagesse, où on parle d'éducation. Vous allez voir que ce sont les lives qui ne sont pas suivis. Mais les lives où on parle des choses éphémères, oh là là, des choses des fesses, des choses des... On a couché ici, on a fait ceci, on a fait cela, ou encore même de l'argent, parce que les gens ici, oh non, 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 l'argent même, oh. Là, on parle de l'argent, il y a beaucoup de personnes. Et même là où on parle d'esclavage, il y a beaucoup de personnes. Mais là, on parle de sagesse. Bon, l'argent aussi, c'est un truc où ouais, il faut la connaissance. Hein, il faut la connaissance. Mais là, on parle des choses sans connaissance, sans importance. Les insensés, on les trouve là-bas. Donc, si tu es de cette catégorie, mon frère, et que tu ne veux pas ne pas être aimé par Dieu, change de position. Ok? Apprends à t'instruire, à t'intéresser à la sagesse, à l'éducation, à la connaissance. Ok? Proverbe 8, on descend au verset 5. Notez, hein, j'ai parcouru la Bible pour vous. À vous, stupides, apprenez donc à réfléchir, et à vous, insensés, devenez des gens raisonnables. Les insensés, ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Hein, des gens sans intelligence, au fait, simplement, pour faire court. Proverbe 13:19.
Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Donc, c'est comme j'ai dit, ce sont des gens qui se plaisent à mal faire. Ce sont des gens qui se plaisent à la médiocrité. C'est comme ça, en fait, ça leur plaît. Ça leur plaît. C'est comme ça qu'ils sont. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a des gens comme ça. Et puis, de toute façon, à une certaine période de notre vie, chacun de nous a été insensé. Mais il y a des gens qui ont décidé de sortir de ce statut-là, simplement. OK? Proverbe 14 au verset 9. 14, 9. Réparer un tort, les insensés s'en moquent. On te dit d'aller demander pardon, tu t'es mal comporté, tu veux pas. On te dit tu as vexé un tel, il faut aller voir comment tu vas arranger. Tu veux pas. En fait, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu es quelqu'un que le comme ça, mon frère, tu es un insensé. Et Dieu ne t'aime pas. Il faut apprendre à réparer les torts que tu as commis. Tu as commis un tort, tu te reconnais d'avoir mal agi, mais demande pardon, mon frère, ça t'enlève quoi? Pourquoi demander pardon à quelqu'un, c'est si difficile? Pourquoi reconnaître son tort, c'est si difficile? Pourquoi réparer son tort, c'est si difficile? Si tu es quelqu'un de comme ça, mon frère, tu es un insensé. Mon frère, ma soeur, tu es un insensé. Ecclésiaste 5,3 nous dit, si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car Dieu n'aime pas les insensés. C'est clair et net. Ce que tu as promis, tiens-le. Donc ne sois pas les gens qui, devant les gens, ah oui, je vais te donner 100 francs, je vais te donner 200 000, je vais te donner ceci, je vais te donner ceci, tu ne tiens pas parole. Ou que, Seigneur, si tu me bénis, tu fais ça, je vais faire ça pour toi. Si tu me fais ceci, je vais faire ça pour toi, tu ne tiens pas parole. Vaut mieux te taire que de faire une promesse et de ne pas la tenir. Il y a beaucoup d'insensés. Vraiment, vous vous rendez compte que tu peux être enfant de Dieu, tu peux croire même que tu es un enfant de Dieu, que tu es un fils du Très-Haut, que tu es une ambassadrice du Christ, mais tu es un véritable insensé quelque part. C'est pour ça qu'il faut travailler tous les jours à être la meilleure version de soi-même. C'est très important. Et c'est là vraiment le but même de la spiritualité, en fait. OK? Ecclésiaste 7, 9. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Tu es quelqu'un de colérique. Moindre chose, tu t'énerves, tu t'enflammes. Mais tu as l'air brûlé. Tu as l'air brûlé, mais c'est que s'il n'y a que toi qui sais comment on s'énerve. Est-ce qu'il y a école pour s'énerver? Mais apprends à te contenir, apprends à avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Apprends à te contenir. C'est triste. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Donc, ah, moi, je suis quelqu'un, j'ai le sang chaud. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je suis colérique. Moi, je ne blague pas. Hein. Moi, pour moi, ne reste pas à l'étranger, comme disent les Ivoiriens. Mon frère, tu es un insensé. Tout ce que tu dis là, tu es un insensé devant Dieu. En fait, tu n'existes même pas. Jusqu'à ce que tu sois né de nouveau, en tout cas. C'est pour ça même que je comprends mieux le sens de naître de nouveau. Parce que tant que tu es comme ça là, tu n'existes pas. Tu es dans ton monde à toi-même là-bas. Et voilà. Jusqu'à ce que tu puisses naître de nouveau. Oh, la parole de Dieu pour moi, c'est quelque chose, hein? Lire, c'est important. On va descendre à Jérémie 4, au 20, verset 22, qui dit « Ah, mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés qui ne comprennent rien. Ils n'ont d'intelligence que pour faire du mal, mais ils ne savent pas faire ce qui est bien. » C'est comme j'ai dit, c'est quelqu'un, ce sont des gens qui aiment faire le mal et qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'apprennent pas à connaître Dieu. Et moi, j'ai toujours dit que apprendre à connaître Dieu, là, ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu sous un autre regard. Pas sûr. Jésus a fait ceci, Jésus est le créateur, Jésus est le fils de Joseph. Tu lis les histoires, tu commences depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et tu regardes, surtout quand on parle du peuple d'Israël, comment Dieu agissait. Tu regardes comment Dieu agit.
C'est en remarquant ces petites choses-là que tu vas connaître qui est Dieu. Mais nous, nous ça ne nous intéresse pas. On lit toujours la parole pour réciter les psaumes, pour réciter la parole de Dieu. Et non, Esaïe 1 Corinthiens a dit l'amour a fait ceci, a fait cela. Mais au-delà de toutes ces choses, il faudrait apprendre à lire la Bible de façon à comprendre qui est Dieu. C'est très important. Arrêtez simplement de rester les paroles vaines comme ça. Arrêtez de lire la parole de Dieu dans ce sens-là. Oh. Ok? Donc, rapidement, Jérémie 10, 21. La parole de Dieu dit, les dirigeants du peuple ont été insensés. Ils n'ont pas suivi l'Éternel. Et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi et que tous ceux dont ils avaient la charge ont été dispersés. Donc, quand vous ne suivez pas l'Éternel, vous êtes insensé. Vous êtes toujours là, dans la maison des féticheurs, dans la maison des voyants, des je ne sais quoi, des diseurs de bonnes aventures et tout ça là. Toi, je ne suis pas Dieu. Toujours dans les choses, oh non, mon ancêtre a fait je ne sais quoi, je ne sais pas, tu vas faire des tombes, laver les crânes. Il y a des coutumes en Afrique où il y a des gens qui prennent des crânes de leur, même ici en Côte d'Ivoire, je pense, c'est ici que j'ai vu ça, où ils enterrent leurs grands-parents, arrière-grands-parents, dans la cour, enfin, on voit derrière les maisons, et ils vénèrent les crânes. Ah, c'est frisson, mon Dieu. L'ignorance va nous tuer. Et c'est ça qui fait que la parole de Dieu, ils ne me connaissent pas, les insensés ne me connaissent pas. Bref, Ézéchiel 13, verset 3 nous dit, voici ce que vous dit le Seigneur l'Éternel, malheur à vous, prophètes insensés, car vous suivez votre propre inspiration et vous n'avez reçu aucune révélation. Et oui, les insensés, ce n'est pas seulement les gens lambda comme ça. Il y a des prophètes, il y a même un passage où on parle même de pasteurs insensés, mais ça je ne l'ai pas noté. Il y a des prophètes insensés, des prophètes qui sont là, qui vont voler les cartes, comment ça s'appelle, d'identité des gens pour te faire, pour mémoriser ce que la personne veut, même ils prennent les ancêtres, des renseignements sur la personne, et puis tu dis, lève-toi, toi, ton père s'appelle Tom, ta grand-mère s'appelle ceci, Dieu ne t'a rien dit, tu te joues, tu te mets en spectacle. Donc, ça même, c'est le off, quoi, dans la maison de Dieu. Les prophètes qui n'ont pas de crainte de Dieu, je sais même pourquoi on les appelle prophètes. Tu n'as aucune crainte de Dieu, tu n'as aucune inspiration, tu n'as reçu aucune révélation, tu es un prophète insensé. Et Dieu ne t'aime pas. Si vous pouvez te donner un vrai cocotte, il a été donné que ici. Donc, on va descendre à Marc 7, verset 22. Bon, non, je vais clôturer par ça. Ou bien je clôture par titre. Bon. Marc 7, verset 22, je vais ouvrir. Car, à partir du verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Vous avez lu, non? Vous avez écouté plutôt? Donc, tout ce que j'ai cité là, ce sont des comportements insensés. Si tu es quelqu'un d'immoral, tu es quelqu'un, tu voles, tu es quelqu'un, tu tues, tu es quelqu'un, tu trompes, tu es dans l'adultère, tu es quelqu'un, tu envies tout le monde. Un tel a tel cheveu, je vais avoir les cheveux là. Un tel a telle voiture, je vais avoir la voiture là. J'ai un tel a telle chaussure, je vais avoir la chaussure là. Tu es méchant, tu trompes, tu as des vices. Le tabac, c'est toi. La pornographie, c'est toi. Comment ça s'appelle? Les partous, c'est toi. Tu as des vices bizarres. Tu es jaloux des uns et des autres. Tu blasphèmes sur le nom de Dieu. Tu jures sans crainte ou quoi que ce soit. Tu es orgueilleux. On n'a qu'à te voir toujours. Ou genre, c'est toi qui connais tout, qui sais tout, qui est le plus beau de la terre. C'est moi qui ai l'argent. Je voyage en classe affaires. J'ai telle voiture là-bas. J'ai ceci, j'ai cela. Mon frère. Tous les comportements, ces comportements insensés. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, Marc. Donc, si tu te retrouves dans un des comportements-là, apprends à te revoir. Parce que tant que tu as ce genre de comportement-là,
Dieu ne te connaît même pas. Tu n'es même pas encore né. En fait, tu n'existes même pas. Tu es là, tu es un errant sur la terre comme ça. Tu es. Il ne te connaît pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, au dernier jour, il y a des gens qui diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chanté en ton nom, nous avons fait ceci. Et puis il a dit, je ne vous ai point connu. Mais c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, prophète, on a dit que prophète, comment ça s'appelle? Tu n'as pas de révélation. Tu dois, et pourtant, ils sont dans les églises. Hein. Ils sont nombreux comme ça. Hein. Les prophètes de ce genre, ils sont nombreux comme ça. Mais Dieu, au dernier jour, Dieu leur dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Parce que tu étais dans le rang des insensés. Mais lui, il va te connaître comment? Il va t'aimer comment? Est-ce qu'il a ton temps? Est-ce qu'il a ton temps? Il n'a pas ton temps. Donc, en soi, tu vas entendre d'aller chauffer les bancs de l'église inutilement. Comme je dis toujours, la spiritualité encore, craindre Dieu là, c'est un comportement. C'est, tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas les fruits de l'esprit. Même si tu n'as pas tous les fruits de l'esprit, tu dois travailler à les avoir. Tu dois travailler, si tu vois qu'il te manque un des fruits, tu travailles à les avoir. Mais c'est pour ça qu'on s'améliore tous les jours. C'est pour ça qu'on cherche à être la meilleure version de soi-même. C'est pour ça qu'il faudrait que vous puissiez choisir ce genre de plateforme qui vous aide à grandir. Qui vous aide à sortir, à trouver le meilleur de vous-même, à sortir le meilleur de vous-même. Qui vous aide à abandonner l'alcoolisme. Qui vous aide à abandonner la pornographie. Qui vous aide à abandonner, je ne sais pas moi, la masturbation et tous ces vices-là. Titre 3. Je vais conclure avec Titre 3. En fait, quand je dis ça, ça me fait tellement mal parce que je me rends compte qu'on est dans un monde rempli d'insensés, en fait. C'est pour ça qu'Apocalypse, quand il donne le nombre de ceux qui seront levés, il est minime, en fait. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire, en fait, c'est nous sommes dans une société où ce que je dis, c'est une norme. C'est une norme. Tu dois montrer ce que tu as, comme on dit, l'abbé fait le moine. Tu dois montrer ce que tu as pour avoir de l'influence. Donc, tu dois montrer que tu as une voiture, que tu as une grande maison. Tu te dis, mais poussière, tu retourneras la poussière. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que tu as? On va t'enterrer, même si tu as la plus grande maison du monde entier. On ne veut pas t'enterrer cette maison. Même si tu as un compte de plus de 40 milliards de dollars, de je ne sais quoi. Tout l'argent, là, ça va rester sur terre. Pourquoi ne pas concentrer notre être à l'essentiel? Pourquoi ne pas prendre conscience qu'on est bien plus que ce qu'on veut, je sais pas moi, pareil, qu'on a bien plus à faire, qu'on a de l'amour à apporter, qu'on doit servir les autres. En soi, Dieu ne nous rend pas riches pour montrer aux gens qu'on a un jet privé, qu'on prend les classes à faire. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui est riche, véritablement riche, il va vouloir prouver quoi à qui? Honnêtement. C'est comme j'avais lu une citation qui disait que il y a de ceux qui veulent porter des habits de marque pour montrer qu'ils ont de la valeur. Donc pour lui, c'est l'habit là qui montre qu'il a de la valeur. Mais si tu as pas à ce niveau, mon frère, tu as des problèmes. Tu as des problèmes psychologiques. Tu vas mal, fais-toi accompagner, fais-toi soigner. Apprends à comprendre que tu as bien plus de valeur que ce genre de choses. Cherche la richesse insolente, la richesse de Salomon, comme je vous ai appris. Si vous n'avez pas encore entendu, allez suivre ce live précédent-là. Et que ta richesse serve à aider l'humanité. Que ta richesse soit utile pour l'humanité. Parce que tu vas partir, tu vas laisser tout ça sur terre ici. Hein? Que ton nom fasse, que comme le, je ne sais pas ce qu'est son âge, je ne sais pas si c'est 78. Pour que ton nom soit utile, pour que ton nom se perpétue. Soit un vase d'honneur, soit utile à l'humanité, que de pomper les gens l'air, j'ai telle voiture, j'ai tel ceci, j'ai tel cela, mais en fait, en soi, on s'en fout, en fait. Ce que les gens vont retenir, c'est ce que tu as fait de leur vie, ce que tu as apporté, le conseil que tu as apporté, même si ce n'est pas financièrement, le conseil que tu as apporté, le service que tu as rendu, c'est de ça qu'il s'agit. Apprenons à ne pas être dans les rangs des insensés. Je vous ai cité tous les passages de la Bible où on parle des insensés. J'ai pris mon temps pour noter passage par passage, pour que vous puissiez vous-même relire, pour que chaque fois que vous avez un des comportements insensés, comme la cité Marc,
que vous dites, Seigneur, écarte-moi de cela. Aide-moi à être une meilleure personne. Aide-moi à ne pas envier. Aide-moi à ne pas jalouser. Aide-moi à laisser, le vol. Aide-moi à cesser de tuer. C'est quand tu te repens que la parole de Dieu qui dit, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur, s'applique. C'est là où ça s'applique. Mais si vous êtes là, vous pensez que, ah, Dieu m'aime, que tel que, comment ça s'appelle, même si je tue là, Dieu m'aime, mon frère. Tant que tu tues, il ne te connaît pas. Et il ne t'aime pas. S'il ne te connaît pas, il va t'aimer comment? Tant que tu tues, il ne te connaît pas. Tant que tu es là à te vanter, à t'orgueillir, il ne te connaît pas. C'est quand tu vas reconnaître qu'il est un tout puissant, quand tu vas commencer à t'intéresser aux choses de Dieu, quand tu vas cesser de croire qu'il y a un Dieu, que Dieu n'existe pas, que tout tombe du hasard. Parce que j'ai même assisté l'année surpassée à une conférence où il y a un conférencier connu ici, je vais taire son nom, qui un coach qui, pendant qu'il est en train de faire son speech, dit, mais vous me faites rire avec vos affaires de Jésus, de Dieu. Dieu n'existe pas. Moi, je l'ai regardé, je dis, wouh! Ça, là, c'est coach. Il tire son intelligence, son inspiration. Si c'est Dieu, si pour toi, Dieu n'existe pas, ça veut dire que ce n'est pas lui ta source d'inspiration. Non, mon frère, j'ai pris mes clics et mes crayons, mon frère, pourquoi je vais être corrompu? Je suis sortie de cette salle rapidement. Moi, je n'aime pas les bêtises. Et je fais attention à ce que j'écoute. Dès que tu entends le parler dans un sens où, mon frère, pardon, la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi je vais attendre que Dieu n'existe pas? Ça va être une semence dans mon cœur et puis je serai là maintenant pour me poser des questions, pendant que j'ai déjà eu expérimenté l'animal de Dieu dans ma vie. Donc, faisons très attention. Ok? Comme je l'ai dit, vous pouvez croire. Excusez-moi, il fait chaud. Vous pouvez croire que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes né de nouveau, que vous avez le Saint-Esprit, et vous rendre compte à travers cet enseignement que vous êtes dans la liste des insensés. Si vous vous rendez compte de cela, ça veut dire que l'Éternel a voulu que vous puissiez écouter ce message pour vous mettre dans la catégorie des enfants de Dieu. Ok? Donc, ne prenez pas cet enseignement comme un jugement. Tout est dans la Bible, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que prendre des exemples pour vous aider à mieux comprendre. Tout est dans la Bible, prenez le temps d'aller chez vous, de relire tout ce que j'ai dit, pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais si vous remarquez que vous avez, on se voit, chacun de nous se connaît. Chacun de nous se connaît. Si vous remarquez que vous avez un comportement qui est un comportement insensé, comme Marc 7 l'a dit, priez que Dieu vous sorte de là. Qu'il vous donne la force. Parce que ça ne dépend pas de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Implorez la grâce de l'Éternel pour qu'il vous sorte de ce rang. Parce que comme je le dis, les bénédictions de l'Éternel qui sont dans Deutéronome 28, à partir du verset 1 à 14, ils ne sont réservés qu'aux enfants de Dieu. Qu'aux enfants de Dieu. Parce que là, ça commence par si tu crois et si tu obéis, je ne connais pas textuellement, genre mot à mot, mais si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu, et que tu mènes, voilà, et que tu mets en pratique ses commandements, ses bénédictions te suivent. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si tu veux vivre les bénédictions de l'Éternel, mets en pratique ses commandements. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et que tu mets en pratique ses commandements, il n'y a que deux exigences. Tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mets en pratique ses commandements. Quand je dis obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ce que Dieu te dit, tu le fais. Même si ton pasteur t'a dit que non, ne fais pas ça, fais ce que Dieu t'a dit. Je l'ai expérimenté dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire quoi que ce soit. Ça peut paraître comme de l'arrogance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas et qui pensent que je suis forcément arrogante. Mais bon, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Ça vient de là. Pourquoi? Parce que j'ai appris à l'école de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas venir me dire quelque chose et puis un pasteur, même si tu es le plus grand pasteur du monde, tu vas venir me dire le contraire de ce que moi Dieu m'a dit. Je ne vais pas t'écouter. Je ne vais pas t'écouter. Pourquoi? Parce que j'ai mon expérience personnelle. C'est pour ça que je dis que la spiritualité, là, c'est l'expérience personnelle. C'est l'expérience personnelle. C'est pour ça que ça parle d'intimité,
développer son intimité avec Dieu. Tu ne te laisses plus aller à tout vent. Que chacun de nous vraiment arrive à ce stade-là. Afin que nous ne soyons pas comptés parmi les insensés. Donc, je vous ai noté je vous ai cité une multitude de passages bibliques. Il y en a peut-être plus de 20 que je vous ai cités. Prenez le temps de relire, parce que je ne peux pas relire, il y en a trop. Prenez le temps de relire et de vous examiner personnellement. Et si vous voulez hériter des bénédictions de l'Éternel, obéissez à sa voix et mettez en pratique ses commandements, c'est tout. Et comme je le dis, la parole de Dieu se résume en deux commandements. Aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tes forces. Tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu fais ou tu traites les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, ça veut simplement dire que tu fais de l'Éternel tes délices. Il n'y a rien que tu fais de ta vie sans en parler à Dieu, sans mettre Dieu devant, c'est pas possible. Parce que tu as la conscience que ton souffle de vie, ton être, ton corps, ton âme, ton esprit est entre ses mains. C'est tout. Donc j'espère vraiment que cet enseignement vous aidera à vous situer, vous aidera à comprendre si vous êtes des insensés, si vous avez encore certains comportements insensés. Il est temps pour vous, encore pour nous, de nous aligner à la parole de Dieu. C'est très important. C'est vraiment un cri de cœur. Nous sommes dans un monde rempli d'insensés, malheureusement. Et généralement, il y a beaucoup de personnes aussi qui tombent dans ce piège. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que pour gagner les insensés, je dois agir comme les insensés. Il y a plusieurs pasteurs ici qui ont ce style-là. Je ne vais pas citer les noms parce que je ne veux pas que je vais faire un buzz ici. Oh, on va mettre ma maman. Pardon, je tiens pour la dignité. Donc, et le piège dans cela, c'est qu'en cherchant à faire comme les insensés, tu deviens toi-même insensé. Ok ? En soi, il faut garder sa nature d'enfant de Dieu. Et impacter des gens qui ont la même âme que toi. Impacter des gens qui sont destinés à comment je peux dire, au même chemin que toi, en fait, qui sont destinés à hériter du royaume des cieux ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bien calme. C'est bien calme. Je sens que ça a perforé là. Ça a perforé. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à les poser. Mais je pense que je n'ai rien dit de nouveau, en tout cas. Je n'ai fait que vous lire ce que la parole de Dieu dit concernant les insensés. Et cela vous permettra de mieux vous situer. Soyons des personnes sages. Apprenons à nous attacher à la parole de Dieu. Apprenons à obéir à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire avoir une intimité avec lui, à écouter ce qu'il nous dit et à mettre en pratique. Apprenons à mettre en pratique ces commandements, simplement du mieux qu'on peut. Vraiment que ce soit notre motivation de tous les jours, je vous assure. Et vous ne regretterez pas. Ok, donc j'en ai fini. Merci vraiment à tous d'avoir été là. Je vais faire ma dernière prière. Apparemment, il n'y a pas de questions. Je vais faire ma dernière prière. Que ce message ne vous attriste pas. Moi, je ne sais pas pourquoi je fais certains messages. Les gens sont toujours pas bizarres. En fait, je vous pousse à vous remettre en question. Bon, pas moi, le Saint-Esprit à travers moi pousse ceux qui m'écoutent à se remettre en question. Et je dis toujours que ceux qui m'écoutent, ils ne m'écoutent pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'ils m'écoutent. Dieu choisit qui il a envie de choisir pour l'envoyer écouter les messages. Et donc voilà, je vais faire ma dernière prière, comme il n'y a pas de questions. Père éternel, du 3 fois 5, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur. Pour ce moment passé dans ta présence, ô Jésus-Christ, roi des rois, merci Seigneur de nous aider à nous imprégner ces enseignements et à nous écarter de la voie des insensés, Seigneur. Car tu nous as cité, tu nous as permis de comprendre les comportements des insensés, les comportements insensés au Père éternel. Parfois, nous n'avons pas conscience de toutes ces choses, Seigneur, mais toi, tu es le seul qui justifie, Père. Tu es le Dieu de grâce et merci, Seigneur, de nous faire grâce afin que, Seigneur, s'il y avait de ceux parmi nous qui avaient encore un pied dedans et un pied à l'extérieur, qu'ils puissent avoir les deux pieds dans ta maison, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, que si tu es tiède,
je te vomirai. Alors, aide-nous à ne pas être des chrétiens tièdes. Aide-nous à être des chrétiens véritablement engagés, Père éternel, et travaillant tous les jours à nous améliorer pour la gloire de ton. Merci Seigneur pour cet enseignement qui m'a béni personnellement. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, d'avoir permis à tous qui m'ont écouté jusqu'à la fin d'écouter ce message. Merci d'agir en puissance pour vérité dans leur vie. Car je sais que toute personne qui est destinée à écouter ce message, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Et c'est parce que tu veux opérer un miracle dans la vie de celui ou de celle qui m'écoute et qui me peut rencontrer. Et c'est parce que tu lui as appelé, tu l'as appelé du nom de l'Éternel, j'en suis sûre. Merci Seigneur, mon Dieu, m'aura de rassembler tes enfants. Merci Père éternel d'opérer des grands miracles dans la vie de chacun. Pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la puissance de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc voilà, merci encore. Comment avez-vous compris Romains 11? Romains 11, attends, je vais taper, je ne sais pas. Je ne pense pas avoir cité Romains. Je vais taper rapidement. Ce qui est sûr, j'ai fini mon enseignement. Comme je vous l'ai dit, tu as quand même été clair. Hein? Tu as quand même été clair. Et que Dieu nous donne la force qui nous arme vraiment pour que nous puissions demeurer constamment dans sa présence. Romains 11, à partir de quel verset? 11 combien? Bof. Oh. 11 combien? 11, 1, je sais pas. Parce que 11 c'est long, hein? En ce combien, Great Lady, je ne sais pas ce que tu. S'il y a une précision. Parce que je ne peux pas tout lire, c'est long. Bref, donc chacun de nous lit Romains 11 à la maison. Je vais devoir vous laisser. Ah ouais, j'ai déjà fait une heure. Je vais devoir vous laisser vraiment que l'Éternel nous assiste, qu'il nous aide et puis. Rendez-vous prochainement, que ce soit dans la branche spiritualité ou dans la branche éducation des enfants. Donc, comme j'ai dit ici, on parle sur six volets de la femme vertueuse, l'éducation des enfants, la vie de couple, l'entretien de soi, l'entretien de sa maison, l'entrepreneuriat, la spiritualité. Et demain, dans la branche de couple, on va recevoir Coach Valiska qui va nous donner, partager un très bon thème. Merci vraiment de vous connecter à des pages qui vous font grandir. Même si ce n'est pas Femme Vertueuse Challenge, il y a d'autres pages qui sont focalisés sur l'œuvre de Dieu, en fait, qui vous aide à être de meilleure version de vous-même. Et intéressez-vous à des choses qui vous font grandir. Ok? Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.